C'est la première fois que je voyais ses jambes. Elle regardait les savons, les bougies, les éponges, des cochonneries pour touristes, des désodorisants au centre grotesque. C'est alors que j'ai vu Hervé de Bressigny. Alors là, il s'est produit quelque chose de très étrange. À la seconde où j'ai posé les yeux sur lui, j'ai eu l'impression d'être un metteur en scène. Un metteur en scène qui venait de crier « moteur ». Comment ça va depuis l'autre jour ? Bien, très bien, merci. Et vous, ça va ? Ça va ? Depuis l'autre jour ? Bien, très bien, merci. Et vous, comment ça va ? Parfaitement. Pas parfaitement, parfaitement, merci. Ah, je me rappelle avoir éprouvé une étrange jubilation. Je les voyais déjà nus, enlacés. Madame Bovary croisait le chemin du châtelain local, Rodolphe, tout comme Gemma venait de croiser celui d'Hervé. En fait, non, pour vous dire la vérité, ça va pas du tout. Je suis extrêmement déprimé. Depression, spleen. Spleen ? Non, mais je vais pas vous raconter, je vais vous faire pleurer. Oh, sentir-moi. Comment ils appellent ça ? Bravo, le coup du déodorant. Alors, allez-y. Jasmin, lilas, lavande, joueur de boule, camembert. C'est pas plutôt bouse de vache ? Bouse de vache ? Yeah, shit of cow. Oui. Non, mais franchement, c'est dégueu. Dégueu, comment je peux vous traduire ? Dégueulasse. Gross. Oui, gross. Bon, à bientôt. Oui, au revoir. Au revoir. Et maintenant, une petite clope. Ah oui, l'amour, ça fait mal, hein.